Yo tout le monde, c'est MLDJ, on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Mario Maker. Et contrairement à la semaine dernière, cette fois-ci je ne loupe pas l'intro. Parce que la semaine dernière j'ai complètement oublié de faire une intro pour la vidéo. Bref, du coup, aujourd'hui, cette semaine, nous allons faire un niveau sous New Super Mario Bros. U, pardon. Et je vais utiliser encore une fois les éléments de la mise à jour, mais juste un seul élément de la mise à jour. Donc du coup, je vous laisse regarder. Thank you.
bah Sampi a essayé l'épisode 3, bah c'est tant mieux. Du coup les amis, ça y est, le niveau est maintenant terminé. Donc nous allons pouvoir l'enregistrer et le publier. Alors avant, va-t'en, j'aimerais prendre un petit screen. Petit screen sympathique, celui-là je l'aimais bien. On va prendre celui-là. Hop. Enregistrer et publier. Alors c'est un niveau un petit peu plus court que j'ai l'habitude de faire. Sauf qu'évidemment j'ai utilisé ce qu'on a pu avoir à la dernière mage, c'est-à-dire la clé. Et j'ai mis un petit peu de son. Oh putain, d'accord, je vais d'abord. Super. Bref, alors voilà, il faut prendre cette porte-là pour terminer le niveau. Hein. Wow. Dégage. Hop. Tac, tac. Ok. Donc il est un poil dur. Mais je dis un poil parce que c'est pas la mort. Dégagez les bouts. Ok, là, un petit power-up qui fait plaisir. Merci. De toute façon, vous allez voir qu'il est pas, il est pas long. Viens là, toi. Hop. Alors, on va passer en dessous. Vous voyez qu'en dessous, il y a la possibilité de prendre un tuyau. On va aller le prendre tout de suite. Hop. Voilà. Et arrivé là, il va falloir grimper. Okay. Oh, bah d'accord, je me suis fait toucher, c'est pas grave. On se dépêche. Ok, on arrive là, on saute. Et vous voyez à droite, j'ai mis des clés. Avec une étoile. C'est un message que j'essaye de faire passer. Du coup là il faut reprendre le tuyau. Non, il faut attendre ça. Voilà. Et une fois qu'on a ça, il faut aller tout à gauche. Juste ici. Là où j'ai mis plein de flèches. Pour dégommer tout ça et récupérer du coup une petite clé. Super. Alors avant. Waouh. J'aimerais si possible récupérer un petit power-up. Alors j'en ai pas mis ici. Je sais plus où j'en ai mis un, ça se trouve je vais crever comme une... Hein, comme on le sait maintenant. Je crois que j'en ai un... Non, j'en ai pas mis un là, ça doit être plus haut. Ça doit être là. Voilà, il y en a un là. Super. Ok, alors on va pouvoir sortir maintenant. On va repasser par ici. Donc là le but ça va être de revenir au début du niveau. Pour amener la clé là où il faut. Alors ça c'est le passage chiant. Ok. Doucement, oh, doucement. Okay, c'est bon. La clé. Les possibles de passer ici sans se faire toucher, mais faut être agile. Hein. Et donc du coup, ça y est, on est arrivé là. Et on n'a plus qu'à aller à la fin. Voilà. Et là, quand on prend la porte, on a un petit faisceau de lumière. Si on y arrive à cette porte avec un power-up, il y a un feu d'artifice en plus. Voilà. Donc du coup, bah voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un niveau très court. Mais il faut le savoir qu'il faut péter le cercle de boue pour récupérer la clé. J'ai quand même mis beaucoup d'indices avec les flèches. Mais si les gens ne regardent pas la vidéo, ils vont quand même avoir du mal à savoir comment récupérer la clé. Concrètement je pense. Donc voilà le code, il est là, il est bon. Mais si vous savez exactement où se trouve la clé, ce niveau est très simple et très rapide. Mais en tout cas j'avais envie de faire un niveau comme ça. Donc j'ai beaucoup joué sur le level design, hein, donc il y a des plateformes un peu partout, il y a des trous quand même un peu partout. Et j'ai rajouté un peu de musique, enfin de la sonorité, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Et donc là je m'en suis servi. Donc bah écoutez les amis, on s'arrête là. J'espère que ce niveau vous aura plu, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce niveau. Lâche un petit pouce pour faire plaisir et pour me soutenir. Sur ce moi je vous laisse, partez bien et à très bientôt les amis. Bye.